Hello tout le monde, c'est Roro14, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de mon Let's Play de CSX, c'est-à-dire l'avant-dernier épisode. Alors j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'Afrique, je ne parle plus, je vous laisse la cinématique comme d'habitude. On se retrouve juste après, à tout de suite. Ok les gars, les choses vont devenir intéressantes. Prochain arrêt, l'Afrique, avec comme descente phare le Kilimandjaro. C'est le dernier endroit où on s'attend à voir un snowboard, mais avec SSX, il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Écoute bien, Mac, parce que c'est toi qui vas t'en charger. Il y a sous ce massif un réseau de tunnels où il te faudra un plan de route précis et du bon matériel si tu ne veux pas rentrer à la maison en cercueil. L'obscurité dans ces tunnels est souvent impénétrable sans lampe frontale, alors n'oublie pas de toujours regarder où tu vas. Parce que si tu quittes ta trace des yeux ne serait-ce qu'une seconde, disons juste que les choses peuvent mal tourner avant même que tu te rendes compte de ton erreur. Et bien voilà, le décor est planté. Donc la principale difficulté va être l'obscurité, on va vraiment voir pas plus de 2 mètres. Ça va être la galère. En plus, les crevasses, bah, à l'intérieur, il y a de la lave parce que, évidemment, on est dans un volcan. Alors, je sais pas pourquoi il y a de la neige dans le volcan, vu qu'il y a de la lave en dessous. Bon, ça, il n'y a pas d'explication, mais bon. On va lancer tout de suite dans Meru. Meru, je sais pas comment ça se dit. On va devoir affronter Griff. N'importe quoi. On va devoir affronter Mike dans une course de nuit. Et comme vous avez pu voir, j'ai monté Zoé niveau 10. Pour avoir accès à des boards un peu plus intéressantes. Oh putain mon dieu la vache. Il y a une board à 1 900 000. Allez, j'ai 2 300 000. Rien que pour vous, je l'achète. Yeah, wow, motherfucker. Oh, elle est tricky comment il monte. Bon, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Parce qu'on perd un peu de vitesse. Le boost, ça monte un tout petit peu, mais pas plus que ça. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. On gagne un max de tricky. Wow, 37. Allez, on va la tester. Tester en direct. Je sais pas si c'est la bonne course pour la tester. Mais c'est pas grave, je vais lancer direct. Allez, on est parti. Je suis désolé pour le retard des vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps d'en sortir. J'ai vraiment beaucoup de boulot. Et en plus, je vous avouerai que j'ai un peu un manque d'inspiration. J'ai une baisse de régime au niveau des idées. C'est vrai qu'heureusement qu'il y a le Let's Play qui est là comment ça s'appelle ? Pour combler un petit peu, parce que c'est vrai que je suis en manque complet d'inspiration. C'est la page blanche, comme on dit. Donc, si vous avez des projets, des idées, laissez-moi ça. Waouh. Elle est bluffante, cette planche. Oh là, ouais, on décolle fort avec. Hein. Allez, on va essayer de booster un petit peu. Je vais arrêter de parler 2 minutes. Ah, PGM. Yes, nickel. Pff. Allez, saute-moi ça, ma cocotte. Allez. Oh putain. Il y a de la lave juste en dessous. Il y a des petits cratères de vol. Waouh. Les petits cratères. Faut pas se gourer. Hein. Faut pas se planter du tout là. Et l'autre, il m'est passé devant, l'autre saloperie. C'est que. Elle est bien cette borne. Mais par contre, elle fait décoller fort. Et en plus, je tombe dans une putain de crevasse à la con. Allez, on va essayer de tomber gentiment. Voilà, on va accélérer un petit peu pour attraper Mac. Ah, par contre, lui aussi s'est fait piéger. Il a pris le petit tourbillon là. Comme vous avez pu voir, le ride bah, nous faisait tourbillonner, donc on perdait un max de temps. Bon, ça va, il est pas trop loin, on va essayer de le rattraper. Pfiou. J'espère pas tomber dans une crevasse. Yes, on est repassé dedans. Je crois qu'il est tombé dans un trou. Si c'est bien ce que j'ai vu. Il me semble. Hein. Allez, on va essayer de le devancer un petit peu. Oh putain, non. Pourquoi j'ai fait un petit saut comme ça, la con. Eh, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai fait un petit ralenti à la Matrix. Ah, ça c'est le swag, ça. C'est le swag, c'est surtout une perte de temps. Là. Oh putain, ça s'enchaîne. Allez, 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 allez. Aïe, 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 c'est bon ça. On est 4 secondes devant lui. Faut pas perdre notre avance. Ah, vous voyez, c'est très restreint comme endroit. Ah, non, 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 non. Bon, je suis passé. C'est très restreint, très étroit
comme endroit, faut pas se gourer, faut vraiment pas se planter, aller doucement. Bon, sauf là c'est une course donc faut rouler un petit peu, mais oh putain, le mini saut que j'ai fait pour passer à travers la crevasse. Voilà, on va essayer de passer en haut. Je sais pas si c'est une bonne idée. Allez, allez, allez. Oh là 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 là. Appelez-moi monsieur s'il vous plaît. Ah merde, il y a Mac dans le coin. Putain. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Ah, il est devant nous, hein, ce salopard. Alors, on va essayer de booster un petit peu là. Pas qu'il nous gagne. Ça me ferait un peu chier. Allez, 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 allez. Putain, il a du boost lui, ce con-là. Allez, on est plus fort que l'ordinateur. Enfin, j'espère. Et c'est que de la grotte, hein. Il y a aucun truc à l'extérieur. Ça, je suis pas trop fan, moi, comme vous savez. C'est les... Mon épreuve favorite, bah, c'est les tricky. Faire des max de sauts et tout, moi. Alors que là, c'est vraiment... vraiment que slider, que avancer tout doucement. Allez, on va essayer de le battre, quand même. J'ai pas envie de recommencer. Ça ferait un peu chier. Alors on y arrive, je crois on arrive à la fin là. Ouais, on arrive à la fin. On va essayer de booster un petit peu histoire de garder notre avance. Yes, on a gagné. On a gagné les gens. Bien joué à moi-même. Oui, je me félicite. Je crois que j'ai dû... Allez, j'ai dû tomber deux, trois... Enfin pas tomber, mais j'ai dû tomber dans une crevasse une ou deux fois. C'est bien, ça a monté mon niveau 10. Même pas. Bon, première épreuve réussie. La petite BD qui va bien. Donc je disais tout à l'heure avant d'être coupé par la concentration de la course, l'intensité de la course. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez des projets, des top 10, des top 5, des je sais pas moi, d'autres projets. J'attends les sorties de jeu, mais bon. Il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment. Dites-moi si vous voulez que je fasse des petites vidéos sur des jeux, n'importe lequel. Donc voilà, laissez-moi tout ça dans les commentaires et j'en tiendrai compte. Alors, petite BD qui va se terminer. Cette BD là, je la trouve vraiment pourrie au niveau graphisme. Autant les autres sont plutôt originales. Mais alors celle-là... Puis un peu du cul. Hein. Ça fait vraiment BD des débuts. Ski Patrol. Oh, elle a été arrêtée par la Ski Patrol. La police des skis. Mac. Première course, fini. Ça, c'est nickel. Feu rouge, tricky. Ah, tricky. Donc, vous voyez, en fait, tout ce qui est en pointillé se passe dans une grotte. Je déteste ça. Non, sans rire, je déteste vraiment les trucs enfermés, comme ça. Donc, Mac est niveau 1. Ça va changer du niveau 10. On a les deux extrêmes. Il va falloir faire un max de tricky dans une grotte, c'est vraiment pas facile à cause de la hauteur de plafond. Mais j'espère que je vais pas perdre. Au moins bien me classer quoi. Chargement. C'est parti dans 3, 2, 1. C'est parti. Non. Si. Allez. Putain, on commence direct dedans. Wouhou! J'espère qu'il y aura un peu moins de crevasses là parce que. Ah, il y en a. Je vais dire, j'espère qu'il y en aura moins, bah non. Eh, ils sont déjà à 600 000 là. Ils sont sérieux. Ah, yes, c'est bien tricky. On va essayer de pas le perdre. Vous voyez, c'est super chiant de faire des putains de combos avec cette hauteur-là au plafond. Ah, mon pote, va falloir que tu t'accroches le cul. Ah putain, je suis tombé comme une grosse daube. Ils sont déjà 1 million, sérieux. Il est cassé où, leur 1 million là. Parce que moi, franchement, faut me dire, parce que moi, j'arrive pas à faire des putains de jumps. Ça va être plein de petits enchaînements de combos, en fait, qu'ils doivent faire. Regardez, même là j'arrive à toucher le plafond presque. En fait faut que je commence l'impulsion du saut avant la fin du tremplin.
c'est bon ça. Ne vous inquiétez pas, on va les rattraper. Comptez sur moi. Voilà, on fait un petit slide de la mort qui tue. Oula. Ah voilà, on a déjà remonté, on est déjà à la troisième place. Nickel. Putain, je suis vraiment petit bras aujourd'hui de... parce que j'ai peur de casser le trick et de perdre un max de points. De casser mon combo à gauche. Donc je fais vraiment des petits sauts de petits joueurs en fait. Allez. Alors je voudrais vous remercier tous, parce que c'est vrai que je le fais pas souvent, de me soutenir dans mes vidéos. Parce que je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires, de plus en plus de j'aime sur mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Vous arrêtez pas en si bon chemin, continuez, hein, vraiment, ça me motive encore plus. Parce que c'est vrai que faire des vidéos et de ramasser pas beaucoup de commentaires, et de voir que les gens s'impliquent pas beaucoup, bah, c'est vrai que c'est pas toujours plaisant, on va dire. Mais là, depuis les dernières vidéos, je suis assez content parce que j'ai vraiment pas mal de j'aime par rapport à mes vues. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Ça donne vraiment le moral et de continuer à faire ce qu'on aime, quoi. Et à le faire pour vous. Donc je tiens à vous remercier tous. On est actuellement 585. Bientôt 600. J'ai l'impression que je viens de fêter mes 500 abonnés hier. Bientôt 600, c'est vraiment énorme. Donc je tiens à vous remercier du fond du cœur. Donc on a réussi à bien avancer parce qu'on a monté 3 niveaux, n'empêche. 4 même. 4 niveaux. 4 et quart, on va dire. Donc ça, on a fini premier. Un petit géotac pour la route. Et on va continuer sur une autre montagne. Voilà. Mawenzi, ça s'appelle. Lampe frontale requise. Putain, de nuit et dans le noir. En plus, c'est une course. Donc là, ils vont nous mettre en condition pour l'épreuve de survie. Matériel, lampe frontale. On va prendre celle qu'on a de base, hein, comme si on dépense pas d'argent. Allez, c'est parti. On se concentre. Excusez-moi d'avoir soufflé dans le micro. Je sais pas si vous avez remarqué, dans l'épisode précédent de SSX, au niveau de la couleur, de la luminosité, c'est vrai que quand on enregistre avec un HDP VR, ça donne toujours une image un peu plus terne. Donc j'ai effectué une color correction, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire j'ai modifié un petit peu les couleurs. Pas les couleurs du jeu, mais l'intensité des couleurs lors de mon rendu, le rendu de la vidéo. Et bah dites-moi ce que vous en pensez. Je vais le refaire pour cette vidéo-là. Je ferai peut-être un peu moins prononcé pour pas que... pour que vous voyez bien que la nuit... Alors attendez. Ok. Pour pas que la nuit... vous voyez comme en plein jour. Alors vous voyez que c'est vachement bien fait la lampe torche. On voit vraiment... on voit vraiment que l'endroit où c'est éclairé. Je trouve ça vraiment bien fait. Donc là, il y a Griff juste à côté. Putain, alors en plus, là, ils nous mettent vraiment des petites crevasses. Que sur les côtés. Vous voyez, là, sur la lampe, pardon, il y a une batterie. On va falloir vraiment aller rapidement en bas. Parce que cette batterie, bien sûr, se décharge. Hein, comme le fait toutes les batteries. Alors attendez, je me concentre un petit peu parce que l'autre gogol il est devant là. J'ai pas envie qu'il gagne, je vous avoue. Oh non, je suis tombé. Pourquoi j'ai lâché ça moi? Oh, non, non, non. Allez, on avance. Ouais, bah me déconcentre pas non plus, toi, à me parler. J'ai l'impression qu'il avance pas, mon joueur. Je sais pas si c'est moi, mais. Allez là, on y va. Non? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Regardez-moi ça, il est bloqué dans un trou de souris, là, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est le grider sur les... Putain, il est devant l'autre, hein. Fuck. Ah, mais c'est que j'ai pas de boost. Je vois rien du tout. Enfin, je vois rien du tout. Enfin, je vois quand même, hein. Je suis pas aveugle. Mais
J'ai pas assez de boost pour avancer fort, quoi. Bon, allez, on va essayer de se rattraper un petit peu là. Ça va pas du tout. On peut pas laisser Griff finir devant. Je suis un peu frileux au niveau des tricky là. Je fais vraiment... Ah, il est tombé ou quoi? Je crois, hein. Je crois qu'il est tombé en fait. C'est nickel. Faut reprendre un petit peu d'avance. Assurer la fin. Ce serait de compte tomber quand on arrive à la fin. Hein. Bah, je sais pas où je passe là. Je passe dans un petit trou de souris. Oh putain. Bon, ça passe. Oh la vache. Non, non, non. Mais qu'est-ce, putain, mais regarde-moi ça là. L'autiste. Putain, il est tombé aussi lui. C'est bon ça. Allez, on va repasser devant. Putain. Oh là là là. C'est chaud du cul là. Hein. Attends, on est repassé devant. Ça va être que ça à mon avis. On va finir devant, derrière, devant, derrière. Ah yes, on est au fond. Oh là 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 là. Pour l'instant les gens, je vous dis, c'est un sans faute. Première course, premier. Deuxième course, premier. Troisième course, premier. Alors je risque pas grand chose là, je fais vraiment, j'assure le coup on va dire. Ah, yes. Je pense que cet épisode va être plus court que les autres. Parce que là on est déjà à la course de survie, on est à 16 minutes de vidéo. Allez. C'est parti, on attaque. La petite course de survie dans The Darkness. Les ténèbres. C'est clair. Il y a un volcan, on est dans une grotte, on voit rien. Génial. Allez. On va essayer de continuer d'avancer, pas trop fêler. Là en plus j'ai personne qui me tire, qui me court après. J'ai juste à descendre tranquillement de la montagne. Enfin de la montagne, de la grotte plutôt. Obscurité. Allez. Allez, il fait vraiment noir. Hein. Waouh, waouh, waouh. Purée. Il fait encore plus noir qu'avant. Oh la vache. C'est... Moi je sais pas, mais je suis à sa place, putain, je me chie dessus. Désolé, c'est pas très élégant, mais alors je me chie, je me pisse dessus. Oh putain, laisse tomber, je lâche pas la barre, moi. Je fais 40 000 tractions, mais je lâche pas la barre, c'est mort. Oh là là, regardez-moi ça. Oh putain. Oh la vache, là on voit vraiment rien, les gens. Oh putain. Oh là là, on voit juste avec la lampe. Hein. Y a pas de petite balise rouge? Ah si, quand même. Oh putain, non, on est déjà... Oh putain. Ça commence, on est déjà dans une crevasse. Ah putain, mais non. Ah non, hein. Oh là là, ça fait flipper les gens. Enfin, flipper, non, je suis pas... Je suis pas flippé non plus, mais on voit rien du tout. Rien du tout. Oh là là. Alors désolé pour le... Pour la vidéo, c'est pas de ma faute, là, je peux vraiment pas faire autrement. Si vous voyez rien, bah, je suis vraiment désolé. Il me reste 1800 mètres, j'ai l'impression d'avoir fait 40 km déjà. Putain, c'est hardcore. Putain. Vraiment, foutre la... Oh, chou, chou, chou. Non. Putain. Putain, il me reste un retour en arrière. Ça sent mauvais, ça. Ça sent mauvais. On va passer là. Oh là là. T'as les décors, c'est magnifique. Mais alors, putain, c'est chaud. Fais le cas de le dire avec le volcan. Alors, vous allez voir que je peux utiliser beaucoup de boost. Hein. Je vais descendre tranquillou. Ça, vous aurez bien le temps de voir là. Comment ça se passe. Non, 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 non. Putain, non. C'est le dernier que j'ai utilisé. Non, ça, c'est mort. Ça sent mauvais, les gens. Ça sent mauvais, moi, je vous le dis. Je vais essayer de rider le plus possible sur les... Sur les trucs. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils nous mettent, sérieux. Putain, les développeurs là, ils ont fait fort quand même. Et encore, vous allez voir dans le prochain épisode, là, on va vraiment galérer aussi. Je dis ça à chaque épisode, mais forcément, plus on avance dans le jeu, plus c'est dur.
Là, c'est vraiment chaud. Putain, mais qu'est-ce que je fais, moi? Non. Eh ben si, les gens, on va commencer. Faut que j'arrête de vous appeler, les gens. Et on est obligé de recommencer parce que je suis tombé dans une motherfucker crevasse. Plein de lave. J'aurais pas dû utiliser le bout, j'aurais pas dû sauter. Et on va recommencer pépère. Pff. Oh là là là. Et la musique, elle est géniale. Ça devrait vraiment... ténèbres tout. Donc on va faire ça tranquillou en mode papy. On va descendre la colline, la montagne plutôt. C'est stressant, n'empêche, hein. Je vais essayer de rider un maximum pour pas perdre la trace de la de la montagne, hein. Oh la vache. De toute façon, c'est rien d'aller à 800 km/h, hein. Ça apportera pas plus de points, ça apportera pas plus de quoi que ce soit. Le truc, c'est de finir la course, quoi. Ouais, j'assure là. Moi, je suis. Je crois que j'ai jamais ridé aussi lentement, quoi. Vous voyez faire ça en vrai. Ah, pas intérêt à se louper là. Hein. Putain. Allez, je suis en fou, j'accélère un petit peu. Ah, je suis entre qui, n'empêche, hein. Sans rien faire, je suis entre qui, hein. En fait, n'empêche, la lumière, c'est bien fait, hein. Où il s'y fait? Oh là là. Oh là là. Je suis sorti de ma route. Ça me fait peur. Putain. 825 mètres encore. De calvaire. 825 mètres de calvaire encore. Plus le gars, il met 3 heures à tourner la tête, donc du coup on voit rien pendant, je sais pas, 2 secondes, 3 secondes. Pourquoi je pense ça, moi? Oh putain! Allez, on slide. Waouh. J'espère que vous endormez pas trop. Franchement, je suis limite. Mes pouces, ils sont debout sur les joysticks pour pas tomber. Allez. On se concentre un petit peu. Yes. Wow. Non, c'est bon. Wouhou. Bolé. On a fini. Yes. L'Afrique, c'est fait. Ah, je suis heureux, là. Bingo. Geotag gagné. Afrique terminée. Région ouverte. Nouvelle-Zélande. Et là, ça va déglinguer. Ça va être du bonheur, cette map. Enfin, c'est du bonheur. Plus ou moins, on va dire. Ici Atomica avec des infos sur la conquête des descentes de la mort. Apparemment, l'incroyable bravoure de votre rebelle préféré, Raph Simmons, commence à captiver les téléspectateurs du monde entier. Il a bluffé tout le monde grâce à son talent exceptionnel. Et pour l'instant, il a laissé SSX sur place. On se demande ce que le team SSX va pouvoir inventer pour revenir dans la course. T'inquiète. Le team SSX, il est là. Aïe. Bon, bah voilà, l'Afrique, c'est fait. Prochaine région, la Nouvelle-Zélande. Donc, comme je disais, ça va claquer. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment une région que j'adore, sauf la course finale où j'en ai chié, mais alors pendant des heures et des heures, la première fois. Donc peut-être, bah attendez-vous à un dernier épisode de 8 heures. Oui, 8 heures, oui. Prévoyez une petite journée de repos, prenez vos RTT, posez vos jours de congé, achetez un max de popcorn. Non, sans déconner, c'est vrai que j'en ai pas mal chié, je sais pas combien de temps je vais le faire, on verra bien ensemble. Parce que là, c'est vraiment une épreuve on n'a pas fait encore. Et donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez le pouce, les pouces bleus. Un max de j'aime. Laissez des commentaires. Donc je vous invite à laisser des commentaires si vous avez de nouveaux projets et tout ça. Donc voilà, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et ben, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée. Portez-vous bien et on se retrouve bientôt. Allez, ciao tout le monde. Bye. T'es encore là? Ah, merci d'être resté. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te laisse cliquer sur le bouton en haut à gauche de l'écran, là où il y a écrit « Abonne-toi ici ».
ou si tu veux voir ou revoir des vidéos que j'ai faites précédemment, bah clique sur l'une des deux qui est située en centre de l'écran, à droite ou à gauche. Sur ce, je te dis une bonne journée ou une bonne soirée, et porte-toi bien. Bye.